Bien le bonsoir à tous et bienvenue dans la partie 4 de Atlantis, l'Empire perdu. Je suis Ultimate John Doom. Nous venons résumer et d'effectuer la partie suivante de l'exploration dans les cavernes et que nous avons effectué jusqu'à présent l'épreuve de la glace et aussi que nous avons effectué après avoir récupéré la gemme de glace de nouveau dans la crique dans la deuxième partie. Pour pouvoir explorer les autres parties de la crique, trouver dans une caverne un vieux rouage pour allumer la foreuse de l'expédition de la taupe. Et que nous allons effectuer la suite après avoir réussi à creuser, même s'il y avait eu des colosses de pierre, la fuite en camion. C'est parti! La fuite en camion. C'est le prochain niveau à passer. Des lucioles! Accélérez avant qu'elles n'aient tout détruit! Ces lucioles sont hautement inflammables. Il faut faire attention de ne pas se faire avoir. Appuyez sur accélérer. Pour ralentir, appuyez sur freiner. Il faut faire attention sur les côtés avec le camion. Si on frotte trop le... Comment? Le... Allez! Si on frotte trop le mur, on peut risquer de perdre des vies davantage. Et attention aux obstacles. Ah, ça va faire mal, je sens. Alors, j'aurais dû pas faire ça, mais c'est pas grave. On recommence. Il me semblait bien qu'il y avait ça. Aïe aïe aïe, attention! Boum! Attention! La limite du carburant est de 55. Faut faire attention que le carburant ne soit pas trop vide parce que sinon il va s'arrêter automatiquement et ça sera perdu. Faites attention à la cascade d'eau. Il peut glisser le camion jusque dans le vide. Pardon. Oh là là, doucement! Oh, doucement! Je recommence parce que j'ai oublié de faire la... à droite. On relance. Allez, go! Ah bon sang, je brûle! Quand vous êtes brûlé un instant, ça s'éteindra au fil de 5 secondes. Et essayez de ne pas vous faire toucher par le feu de des lucioles. À droite. Une autre lettre. Ah, j'ai loupé une lettre, mais c'est pas grave. On avance. Attention! Oulala, attention à l'aquaplanage! J'ai eu chaud. Là, attention. Et une cristal verte de plus. Excellent. Allez, on monte.
Ouf. Ouais! À chaque fois, on a des rampes de lancement pour sauter avec le véhicule. Ici à gauche. Ouais! Boîte de contrôle. Là, là, il ne reste plus beaucoup de carburant. Waouh! Il ne reste plus que 4 pour 2, 1 du carburant. On reprend. Allez, vite! Là, attention à ces boules de pierre. Voilà d'autres, là-bas devant. Là, attention à ces statues qui soufflent du vent. Wow, attention. Oh là 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 là, doucement. Point de contrôle. Ah! Décidément. Trop tard. On recommence. Bon sang! Il faut atteindre le pont long, comme dans le film. J'ai pris la dernière lettre, mais malheureusement, il manque le T. Allez, on y est presque. On y est, le voilà. Niveau terminé. Je vais ellipser la sauvegarde. À tout de suite. Me voilà. Bon, on continue. Où souhaitez-vous aller? Il manque... Ouais, il manquait un thé. On passe à l'Atlantide extérieure. C'est parti. Atlantide extérieure. D'après le manuscrit, nous ne sommes plus très loin. Ces ruines devraient mener droit à la cité. On avance. Voilà de nouveaux créatures. On va avancer. Faites attention de ne pas tomber en bas, sinon c'est mort. Golem de pierre détruit. Il y a même des chauves-souris à Clint. Si vous y allez de ce côté, il y a une lettre cachée. Et vous pouvez éventuellement regarder de l'autre côté. Il n'y a que un cristal neutre, là aussi. Quand il s'ouvre ses portes. Je vais combiner le boomerang avec le cristal violet. C'est parti. Boom.
qu'il y a là-dedans. Trousse de soins. Et vu qu'on se rapproche de l'Atlantide, il y a un autre personnage qui va venir rejoindre dans notre compagnie. Allez, tiens! Voilà la radio. Enzo, Audrey et la taupe ne sont pas disponibles, mais on a nous avons notre nouvel compagnon. Il s'agit de Kida, princesse d'Atlantide. Et comme son arme est... C'est comme une lance, Atlante, on peut combiner bien sûr... Ah, c'est une perche éclair. On peut combiner la perche éclair avec un cristal Atlante. Et autant, je vais combiner avec le cristal violet. Et on a 10 tirs. Et ce qui est bien avec Kida, c'est que... elle saute beaucoup plus haut. Comme ceci. Là, il y a certains obstacles qui ne tiennent plus debout. Tiens! Boum! Il y a un cristal vert, là. Non! Je suis tombé dans le vide. C'est pas grave. Et de 8. Non! Décidément. Ce qui est ici à droite. Un autre ennemi. Allez! Voyons. Excellent, ça a ouvert une porte. Autant que je suis ici, je vais équiper ça. Voilà. Boum. Boum. Ah, ça doit faire mal. J'avais pas pensé que cette créature peut être dangereuse. Ici, il faudra sauter le plus possible pour éviter de se faire tomber. Hop là! Une autre radio, là. Normalement, il y a d'autres joueurs qui y est. Enzo est dispo. Prenons-le. Non! Tomber.
Ok, c'est bon. Ok, on va poser une dynamite. Attention, ça va exploser. J'ai été trop près. Désolé, Enzo. Il a l'habitude d'avoir de l'explosif. Oh. Décidément. Oh bravo, quel ricochet. Si vous regardez sur le côté, il y a quelque chose. Ah, j'en ai loupé deux de lettres, mais on verra ça une autre fois. On va reprendre Kida. C'est parti. Je vais rééquiper le cristal bleu avec la perche éclair. Cristal violet. Voyons ce qu'il y a de ce côté. Tiens. Sauvegarder. La porte est verrouillée. Porte verrouillée. Allez Milo, à toi de jouer. On a fini le niveau Atlantide extérieur et on va devoir entrer dans Atlantide intérieur. C'est le prochain niveau. Sélectionnez un niveau, Atlantide n'attendra pas. C'est parti pour Atlantide intérieur. On y est. Ça n'a pas été facile, mais le manuscrit s'est toujours révélé exact. Sans lui, nous n'aurions jamais revenu, jamais arrivé ici. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur.
Il y a une lettre en haut. Mais comment l'atteindre? La porte est verrouillée. On va devoir faire demi-tour. Voyons ce qu'il y a de ce côté. Oula! Il y a une lettre là, il y a un ennemi. On avance. Comme ça c'est bon. Ça doit être la prison. Il y a un passage juste là. Mais avant de continuer, je vais regarder autour. On va devoir plonger. Et si vous n'arrivez pas à temps à une autre surface, frappez la palourde qui est ici. Ils sont remplis d'air à volonté. Allez, il faut que je récupère la vie. Voilà. J'ai cru que c'était quelque chose d'important. Vite, on remonte. Je n'arrivais même pas à atteindre le sommet. Allez, on reprend. Ow.
Ouf. Passage par là. Revenons en arrière. Allez! Puis de poil. Chose, éviter de tomber en bas. Allez. Boum. Oh, il m'arrive à toucher l'araignée. Tiens, une clé du marché. Faites attention de ne pas tomber dans le vide. Excellent. Ah, il manque deux lettres, mais c'est pas grave. La porte est verrouillée. Clé du marché ouvert. Waouh, un étranger. Fais attention, les gardes d'Atlante n'aiment pas du tout les étrangers. S'ils t'aperçoivent, ils t'arrêteront. Ils n'ont peur de personne, sauf de la princesse Kida. Sauf de la princesse Kida. Je comprends. Voilà les gardes d'Atlante. Il faut éviter qu'on se fasse repérer. On peut bien sûr faire des sauts pour éviter qu'ils nous attrapent les gardes. Loupé! Cette botte de foin semble instable. Cette botte de foin? Juste ici. Il faudra utiliser ça pour y arriver. Le cristal bleu. Boing! Non, je suis tombé dans le vide. Et nous voilà en point de départ.
je suis de l'autre côté. Allez, on reprend. Hey, vous, venez ici. Ils m'ont vu, mais il faudra que je fuis en sautant comme ça. Oula! J'ai failli m'avoir, mais c'est rien. Aouh! On va devoir tirer les bolottes de foin ici. Enfin, les bottes de foin. Allez, monte. Décidément. Allez, hein. J'ai réussi. Un morceau du mosaïque. Je me demande si ça peut nous être utile pour quelque chose. Voyons ça. Une mosaïque ancienne. Elle doit bien avoir un millier d'années. Dommage qu'il en manque un morceau. Et autant qu'on parle de morceau, c'est ça. Le morceau manquant. Et voilà une radio. Excellent. Et un manuscrit. Voyons voir.
Les gardes ne recherchent que les étrangers. Si j'arrive à trouver quelqu'un qu'ils connaissent, ils pourraient explorer l'Atlantide librement. Il s'agit bien sûr de Kida, car elle... elle peut y aller librement n'importe où. Alors, c'est parti! Je me demande si ça remarche encore. Non. Voilà, maintenant que le garde ne fait pas attention à Kida, ils gardent quand même leur rôle de travailler. C'est bon. J'en ai 7. Je n'ai pas besoin. Je suis déjà à fond. Être une arène. Là-haut, ça doit être la sortie. Voilà la dernière lettre, mais malheureusement, il en manque 2. Que je fasse des sauts normales. Je vais prendre Milo. Oh, allez, hein, je suis tombé. C'est bon. J'ai réussi. Je vais sauvegarder et pouvoir finir la vidéo après.
débloquer un niveau et votre destin. Voilà, c'est ici que je vais arrêter la vidéo. J'espère que cette partie de vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker et partager à ceux qui sont fans du rétro gaming. Et surtout, n'oubliez pas que la passion jeux vidéo rétro gaming continue à suivre dans la prochaine partie.